Élections 2018, parole de candidat. Julien Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Défi à Hâte. C'est une première pour vous? Oui, c'est la toute première fois que le parti se présente dans la région d'Hâte et c'est une première fois pour moi aussi. Je suis novice en politique. Ça fait que 3 ans que je me suis lancé en politique suite aux nombreux scandales qu'il y a eu au niveau fédéral. Donc ça m'a motivé à déposer une liste Défi à Hâte. Présentez-vous, qui êtes-vous? Qui est Julien Laporte? Julien Laporte, il a 35 ans. Il est papa de 2 enfants. Il travaille à l'IPPJ de Braine-le-Château actuellement. Confronté justement aux difficultés des jeunes, c'est un sujet aussi que j'aime beaucoup. Que vous dire de plus si ce n'est que professionnellement parlant, je suis pleinement épanoui actuellement en travaillant à l'IPPJ. Parlez-nous de votre liste, elle a été facile à réaliser à Hâte? En fait, moi j'ai procédé d'une manière peut-être un peu différente des autres listes, c'est-à-dire que j'ai présenté la liste déjà il y a un an, le trio de tête, et j'ai attendu de voir les réactions des gens. Et ce sont spontanément des 13 candidats qui sont sur notre liste qui sont venus spontanément vers nous. Je n'ai pas voulu faire du démarchage, essayer de mettre des amis sur ma liste ou des connaissances de la famille. J'ai vraiment voulu avoir un noyau de personnes qui étaient motivées sur le long terme à déposer un projet à Hâte pour construire une liste Défi. Et donc c'est pour ça que nous en avons 13 pour l'instant et nous espérons dans les années qui viennent encore agrandir notre section. Vous mettez quelle valeur en avant avec Défi? L'ADN du parti, c'est clairement la bonne gouvernance et la transparence et surtout l'éthique. Donc on a dû signer une charte de déontologie à chaque candidat, comme quoi nous avions un casier judiciaire parfaitement vierge, parce que pour nous ça nous semble important de ne pas avoir des personnes qui sont inculpées ou qui ont été condamnées gravement dans le passé, afin d'avoir une gestion saine à l'avenir des finances de la commune et surtout d'avoir des politiques qui sont totalement saines au niveau des condamnations passées. Sur le terrain, comment s'implanter à Hâte? Comment séduire les atouts? Nous essayons de séduire les atouts en leur proposant un programme le plus réaliste possible. Nous avons travaillé de nombreuses heures tous ensemble après notre travail sur le programme qui s'avère relativement réaliste et tout à fait possible à mettre en place. Plus de 131 points ont été débattus en interne entre nous pour proposer le programme le plus réaliste possible à Hâte, parce qu'on sait que la marge de manœuvre à Hâte sera très limitée. Les finances communales ne nous permettent pas de faire la moindre promesse et nous ne ferons jamais de promesse de toute façon. Il est d'abord la première mesure la plus urgente, c'est de relever le niveau des finances communales à Hâte. On vous dit quoi dans la rue? Je suppose que vous avez rencontré des citoyens. Nous faisons du porte-à-porte pour évidemment nous faire connaître, car le parti Défi s'implante que depuis très peu de temps en Wallonie. Mais le retour qu'on a souvent, c'est qu'à partir du moment où nous présentons le parti en disant qu'Olivier Maguin est le président, là généralement l'accueil est directement plus chaleureux. Les gens identifient beaucoup plus le parti Olivier Maguin qu'au nom Défi en lui-même. Mais l'accueil est souvent très bon lorsqu'on parle d'Olivier Maguin, parce qu'il est fortement apprécié en Wallonie. Votre volonté, c'est vraiment de rentrer au conseil communal? Oui, vraiment, de pouvoir être actif et de pouvoir donner notre position, de faire signer aussi un code éthique des mandataires à tous les gens autour du conseil communal, parce qu'il est temps de mettre fin à certaines pratiques clientélistes souvent associées aux partis traditionnels. Et nous, on veut vraiment pouvoir jouer un rôle au sein de notre commune, quoi, et montrer que nous, on tient notre parole et que nous, on ne fait pas de promesses, mais qu'on agit concrètement sur le terrain. Julien Laporte, merci. Vous êtes tête de liste Défi à Hâte. On vous retrouvera encore avant le journal de midi. Je vous remercie. Élection 2018, parole de candidat. On retrouve Julien Laporte, tête de liste Défi à Hâte. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'étiez pas au conseil communal, mais quel bilan vous pouvez tirer de ce qui a été fait lors de cette mandature? Lorsqu'on analyse la déclaration de politique commune qui a été faite il y a 6 ans, il y a quand même beaucoup de points qui n'ont pas été réalisés. Ils assuraient de gérer, par exemple, la vie d'un bon père de famille. Nous constatons quand même que plusieurs fois, des échevins ont essayé de rentrer des notes de restaurant ou des notes de tournée de café à se faire payer par la ville. C'est déjà un exemple qu'on n'a pas encore compris que l'éthique était très importante pour les citoyens, et c'est ce genre de pratique auquel il faut mettre fin. C'est votre priorité? C'est vraiment d'avoir une éthique irréprochable, parce qu'on se rend compte que la population est vraiment dégoûtée de la politique actuellement. Et pour redonner confiance aux citoyens, je pense qu'il faut avoir une transparence totale. Il faut publier régulièrement sur le site de la ville les comptes. Il faut motiver les décisions qui sont prises au conseil communal pour des grands projets. Parce que quand on lit les PV actuels des conseils communaux d'Hâte qui sont faits pour la presse, pour un citoyen lambda, c'est très compliqué de comprendre ce qui a été décidé, qui a voté pour, qui a voté contre, quelle position a été prise. Et nous, on veut vraiment rendre plus clair ce qui se passe au niveau du conseil communal pour les citoyens et les faire participer davantage. Une interactivité citoyenne, c'est ça que vous proposez? Totalement, en créant aussi, par exemple, au niveau de la démocratie participative, on voudrait recréer dans chaque quartier des comités consultatifs de volontaires et de leur permettre d'avoir une partie du budget communal, que chaque village puisse refaire remonter l'information via un comité au niveau du conseil communal, s'ils souhaitent un aménagement particulier dans leur village, s'ils souhaitent pas l'installation d'une nouvelle plaine de jeu par exemple. On veut fractionner une partie du budget communal pour que chaque quartier puisse avoir un projet commun entre citoyens, et ça développera aussi la cohésion sociale par ce moyen-là aussi. Des dossiers importants aussi à Hâte, la mobilité par exemple? La mobilité est un gros problème à Hâte qu'on peut constater depuis de trop nombreuses années, ça n'a jamais été réglé. Il y a certains partis qui proposent de régler la mobilité au niveau communal en faisant un plan de mobilité communale. Moi je pense qu'il faut voir beaucoup plus large. Je pense qu'il faut
faut vraiment s'associer avec les communes qui se trouvent aux alentours, dont la commune qui reçoit Péridaïsa, et inversement, et peut-être mettre en place des parkings de délestage aux sorties des autoroutes avec un bus ou des bus qui amèneraient les gens vers Péridaïsa. Mais il faudra aussi peut-être envisager des différents horaires d'entrée et de sortie des écoles, parce qu'on a énormément d'écoles dans le centre-ville à Hattes, et cela pose un gros problème de mobilité en heure de pointe, car tout le monde veut rentrer en même temps dans la ville et en ressortir irrémédiablement le soir, et cela pose des gros soucis de population. Et ce qu'on reproche un peu à la majorité aussi, c'est d'avoir continué à construire des bâtiments le long de la chaussée de Mons, de nouvelles grandes zones d'immeubles appartements, sans avoir mis en place un plan de mobilité. Donc ça ne fait qu'aggraver la situation. Comment se faire entendre à Hattes alors qu'on s'attend à combat du Vivier, Lefebvre? C'est compliqué. C'est assez compliqué, parce que c'est pas toujours évident de se faire entendre quand on est un nouveau parti et qu'on veut défendre des idées. Il y a encore aussi beaucoup de personnes qui associent le parti des filles à Bruxelles, de défendre l'intérêt des Bruxellois, mais je les invite vraiment à venir consulter notre programme. Ils se rendront compte qu'on a vraiment l'intention de s'implanter en Wallonie pour l'avenir et de se soucier aussi de l'avenir de tous les habitants de la Wallonie. Merci Julien Laporte, tête de liste des filles à Hattes. Je vous remercie. Élection 2018, parole de candidat. Julien Laporte est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Défi à Hattes. Quelles sont vos priorités pour l'avenir politique dans la Cité des Géants? Nos priorités, c'est vraiment sur trois axes. D'abord, donc, améliorer la mobilité, comme j'en ai parlé précédemment, redresser les finances communes, ce qui nous paraît essentiel, et limiter l'expansion urbanistique à certains endroits sans avoir mis justement en place de plan de mobilité, et surtout rendre beaucoup plus participatifs les citoyens au niveau des décisions communales. Ça, c'est vraiment nos trois axes prioritaires. Vous vous démarquez des autres partis? Ben, je pense que déjà le parti Défi en lui-même se démarque des autres partis par le fait qu'il n'a aucune casserole. Au niveau fédéral, on sait, Défi n'a jamais été mêlé aux scandales qui ont touché les autres partis traditionnels. Et je pense que les communes où Défi a un responsable politique en place comme bourgmestre sont des communes reconnues et en même temps bien gérées. Donc je pense que les citoyens peuvent nous faire confiance sur le fait que nous tenons notre parole dans le parti Défi, que nous avons toujours eu la même ligne de conduite. Comment être crédible par rapport aux citoyens, à toi? Déjà notre liste comporte 13 citoyens issus de la société civile. Je pense que nous pouvons apporter cette crédibilité en expliquant aux Hattois que nous sommes des citoyens. Aucun ne fait partie d'un cabinet parlementaire, d'un cabinet ministériel, ne travaille dans une mutuelle. Nous sommes totalement indépendants et nous n'avons aucune personne qui a déjà siégé au conseil communal ou qui a été mêlée aux décisions communales auparavant. Cela peut être vu comme un désavantage parce qu'il y a peut-être un manque d'expérience, mais c'est surtout montrer aux citoyens que c'est une nouvelle équipe, de nouvelles personnes qui sont décidées à se bouger et qui sont vraiment déterminées à apporter une alternative crédible à Hattes. Alors est-ce que les autres partis vous ont approché? Est-ce qu'il y a des alliances déjà prévues? Il y a des rencontres, il y a des discussions lorsqu'on se croise à des Ducasses, à des événements de village, mais nous ne voulons pas rentrer dans le jeu des pré-accords électoraux. Nous laissons d'abord le citoyen s'exprimer le 14 octobre en espérant qu'il nous permette d'avoir des représentants au conseil communal. Et si dans ce cas-là, il y a des demandes de coalition, nous en discuterons en temps voulu. Vous êtes prêt à siéger d'abord dans l'opposition? Nous verrons. Nous aurons besoin de toute façon d'acquérir une expérience parce que ça sera la première fois que nous siégerons et nous verrons si c'est dans une opposition, dans une majorité, mais nous n'avons pas encore réfléchi à cela parce que nous voulons vraiment attendre le résultat que les citoyens vont apporter aux élections à Hattes. Vous pensez quoi de ce qui se passe actuellement sur ce combat entre Lefebvre et Duvivier? Nous, chez Défi, nous sommes assez excédés parce que nous ne parlons pendant ce moment-là qu'aucunement de la campagne, aucunement des points de programme. Je pense que les Hattois ont autre chose à entendre que des disputes de personnes et d'égo entre les deux listes PS et LLA. Je pense que les gens ont vraiment envie qu'on trouve des solutions pour la mobilité, qu'on redresse les finances communales parce que le poids que nos enfants et nos petits-enfants vont avoir sur les épaules va être terrible dans les années qui suivent. De trouver aussi des solutions pour mettre en place plus de logements accessibles parce que les loyers à Hattes prennent des proportions vraiment difficiles pour que nos enfants puissent s'y installer plus tard. Et je pense que c'est ça qui préoccupe les Hattois, c'est préserver leur pays vert, préserver le côté petite ville rurale et ne pas entendre une guéguerre de personnes sur les réseaux sociaux. Ça commence, je pense, à fatiguer beaucoup de personnes. Merci Julien Laporte. Je rappelle que vous êtes tête de liste Défi à Hattes. Je vous remercie.